Chers téléspectateurs, bonne année. Que le bonheur, le succès, l'excellence soient votre partage en ces nouvelles années 2024. Vous êtes en direct sur votre chaîne AC Officiel TV, votre préférence pour les informations précises qu'elle vous présente concernant les travaux réalisés par l'entreprise diffuse du pays Adiconstruct SARL. Assurément, pour cette émission, il s'agit des travaux de construction de la route au chemin de la passion de Papa Simo Kimbango. Assurément, travaux qui va de Banzangongo en Kamba. Après avoir ouvert les pistes pour agrandir la chaussée, consolider la plateforme et recharger les différentes couches de la dite chaussée, l'année 2023 s'est clôturée par le traitement de la couche des fondations sur une lumière importante. Les travaux vont de la première barrière Lipaya en traversant les villages des environs jusqu'après entre village Kikonka et village Nzundu. Suivi l'intervention de l'ingénieur qui a exprimé comment il devait soutenir, sécuriser les travaux. Bonjour cher ingénieur. Bonjour papa. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Adiconstruct SARL en train d'exécuter les travaux sur la route au chemin de la passion. Comment d'abord évoluent les travaux, cher ingénieur? Les travaux évoluent normalement. Quelles sont les dispositions que l'entreprise est en train, n'est-ce pas, de prendre pour la sécurité de ce qu'elle est en train de faire comme travaux? Il y a des intempéries, donc il y a la pluie qui s'abat à tout moment, donc... Nous sommes obligés de consolider ce qu'on a déjà travaillé. Suivez l'intégralité de cette intervention à la fin de cette émission. La population a manqué des mots quand assez. Suivez. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nous allons, maman? Comment allons, maman Arlette? Maman Arlette. Tosa ou à précisément? Tosa Melankamba. Melankamba, oui. Ombo Kanini. Kikonka. Kikonka, c'est très bien. Kikonka. Kikonka, merci beaucoup. Kikonka, monsieur, Kikonka. Oh, Kikonka. Ça va. Merci, Kikonka. Ah, tu m'as dit que tu es là, il y a chemin de la passion. Impression et ça bonne bon salon de la mais c'est l'oyo zela oyo et quoi changer ni n'a pas qu'on a du soir qu'il y a du compte et on va dire que le mal en bon quand tout le monde est bossé le son c'est là vous m'avez dit quand on s'est fait la macasse on est dans la macasse nous allons faire ça donc il y a besoin de macasse mais c'est super spécial et c'est le bon salé. Suivez l'intégralité de cette intervention à la fin de cette émission. Surtout, nous vous invitons à continuer de liker nos vidéos, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur la clochette pour ne pas rater nos différentes émissions, à partager cette émission pour une large diffusion. Suivez avec nous cette émission si importante jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Bon visionnage. We'll be right back.
Thank you.
Tumba. Le village Kintumba. Thank you.
déjà. Bonjour cher ingénieur. Bonjour papa. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Ali Contractor en train d'exécuter les travaux sur la route au chemin de la Passion. Comment d'abord évoluent les travaux cher ingénieur? Les travaux évoluent normalement comme d'habitude. Alors ici nous sommes en train de poser notre couche de fondation parce que après avoir effectué notre ouverture de piste sur la route de la Passion, c'était notre premier poste à exécuter. Alors quand on est en train de construire, on est obligé de faire une ouverture de piste pour agrandir notre chaussée et consolider notre plateforme et commencer à recharger les différentes couches de la chaussée.
C'est très bien. C'est vrai, vous avez également commencé à faire les travaux d'assainissement. Déjà, une grande lunière qui est déjà, n'est-ce pas, effectuée. Et là, à l'occasion des élections qui sont prévues le 20 décembre, il est, n'est-ce pas, demandé à ce que tout le travaux, n'est-ce pas, soit clôturé pour que chacune des personnes puisse, n'est-ce pas, aller voter, n'est-ce pas, quelqu'un de son choix. Quelles sont les dispositions que l'entreprise est en train, n'est-ce pas, de prendre pour la sécurité de ce qu'elle est en train de faire comme travaux? Vous avez constaté derrière moi ici, avec l'engin, la Nivellette, nous sommes tentés de consolider notre outil de fondation parce qu'on a mis à reprofiler notre plateforme et on a déjà commencé à consolider notre outil de fondation parce qu'on ne peut pas laisser notre route comme ça. On est obligé de consolider ce qu'on a déjà mis à effectuer pour ne pas avoir encore une répercussion après. Après notre départ, ou soit quand on sera à Kinshasa lors des élections, parce qu'il y a des intempéries, donc il y a la pluie qui s'abat à tout moment, donc nous sommes obligés de consolider ce qu'on a déjà travaillé. Merci cher ingénieur pour avoir, n'est-ce pas, répondu au micro de notre chaîne AC Official TV, chaîne qui fait les exposés de l'entreprise, les filles du pays, Adi Construct Sarles. Et là, nous sommes dans quel village précisément, bien que les travaux évoluent au-devant de nous, mais là, nous sommes dans quel village? Donc, nous sommes au village Kinkoka. D'accord. Donc, après Kinkoka, c'est notre village Zundu, village Zundu qui se dérive. Et dans l'entreprise, vous occupez quel poste? Je suis ingénieur géomètre programme et maître de l'entreprise Adi Construct Sarles. Le nom, c'est comment, cher ingénieur? Ingénieur Simpliste. Merci, cher ingénieur. Je vous en prie.